Je m'appelle Gabriel, j'ai un problème. Je ne peux pas résister à une femme. C'est plus fort que moi. Il se passe un phénomène physique. Je suis une espèce d'amoureux permanent. Non. Faut que je me fasse soigner. Un client arrive avec une addiction, bam, on l'aide. Si vous pouvez pas résister aux femmes, comment comptez-vous gérer votre relation avec moi? Je vais pas vous le cacher, les jolies brunes au regard pétillant et... Enchaîner, ouais, aussi, pourquoi pas. Non, enchaîner, poursuivez. Je dois vous observer 24 heures sur 24. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Hein. Je vis avec mon tonton Joe, sa femme l'a quitté il y a 2 ans. Et... Mais c'est pas négociable. C'est hors de question, Gabriel. Aucune femme ne rentre ici, pas dans le temple. Bon, bah, allez-y, entrez, je vais vous montrer votre chambre. Enfin, ma chambre. Et vous? Bah, je me disais, comme le lit est très grand, on va pas se gêner. Ok, on va complètement se gêner, je vais dormir sur le canapé. On peut pas se permettre de jouer au chat et la souris. Oh, la petite pute. Oui, Gabriel, il sort où le soir? Je ne parlerai jamais. Ah oui? Elle m'a giflé, avec ses nichons. T'appelles ça comment, toi? Des giflons? Des giflons, plein front. J'ai tout essayé, je sais plus quoi faire. On a rencontré ton assistante. Elle a l'air... bonne. Pardon? Compétente. Faut quand même un peu flipper les quatre là-bas, hein. Je l'aime. Ça va pas, là, j'ai des sueurs froides. Enlevez votre chemise. Ok. C'est quoi ça? À chaque fois que vous aurez l'impulsion de séduire une femme, je ne veux que du professionnel. Juste pour être sûr, vous allez pas enlever votre t-shirt. C'est dommage qu'on ait pas un peu plus de temps. Je sais pas si vous avez quelque chose de prévu. Tu te rends compte que depuis qu'elle s'occupe de moi, j'ai pas séduit une seule fille? C'est un très bon test. Tant que vous ne saurez pas vous contrôler. Mais je peux me contrôler.